Je suis enfin rentrée, on a acheté des t-shirts avec Schtroumpf. J'ai pas arrêté depuis ce matin, clairement. Je suis partie au mall, mais le Dubai Mall, il est immense. Donc on a trouvé une voiturette sur le chemin, mais on a marché. On est arrivé, Milan était KO. Enfin, je l'ai porté, je l'ai allongé dans son lit et il s'est réveillé, il voulait plus dormir. Donc là, voilà, avec son papa, il joue et tout. J'ai acheté plein de trucs aussi pour l'anniversaire de Thomas. Demain, c'est son anniversaire, je suis trop contente. Donc, on va faire une partie à la maison entre nous avec les enfants, l'après-midi. Et le soir, enfin, j'ai réservé un super restaurant en amoureux et tout ça. Donc, voilà. C'était prévu qu'on parte pas et qu'on fête directement ici à Dubaï. Mais là, voilà, c'est plus prévu qu'on parte à part pour le mariage de sa sœur. À Paris, donc du coup pour son anniversaire on s'est dit on va pas bouger parce que sinon on va faire trop d'aller-retour et en plus comme il y a la rentrée là je suis vraiment derrière tout le monde, derrière les enfants, les plannings, on a aussi J'ai un tout nouveau. des personnes avec qui on travaille ici, donc notamment un driver et une nanny qui nous aide vraiment beaucoup. Incroyable, qui fait limite partie de notre famille. Donc ma maman qui vient s'occuper des petits, elle est trop contente. Ou la maman de Thomas. Donc voilà, mais c'est toujours des allers-retours, c'est compliqué. Et puis elles ont aussi une vie, donc à chaque fois il faut leur demander de venir exprès. Enfin ma mère, voilà, elle travaille pour moi, mais elle a aussi d'autres choses en Suisse où elle habite. Donc ça, voilà, c'est juste le côté un peu relou. C'est de ne pas avoir sa famille près de soi en fait, pour plein de petites choses. Mais du coup, heureusement, on a toujours la même nanny qui est avec nous et les enfants la connaissent très bien. Et elle a aussi elle-même des enfants qui habitent ici, donc elle ne dort pas chez nous. En fait, elle vient le matin et elle repart le soir. Voilà, et puis ensuite, on n'a pas besoin non plus. Milan, il commence à être grand. Léiane, ça va de mieux en mieux, il commence à s'adapter à la crèche. Voilà, donc non, c'est très bien, ça se met en place, je suis contente, j'espère que votre rentrée s'est bien passée si vous êtes déjà rentrée. Et puis que vous mettez en place tout doucement, parce que J'ai un tout. il y a plein de choses à réorganiser, on rentre des vacances, on est en mode pompelop, et puis là, voilà, retour dans la vraie vie en fait. Donc pendant que l'eau elle est en train de bouillir, Anne, tout, bravo, one, tout, j'ai envie de pleurer, il m'a dit 40 grammes de pistache nature, ils ont pas dit d'enlever la coquille, j'ai mis la coquille, j'ai appuyé et maintenant ça marche plus. Bon les amis, c'est bon, mon Thermomix n'est plus cassé. Maman. Et j'ai réussi mon foulet. C'est beau, hein. Oui mon fils. Peter Parker. Ah c'est Spider-Man. Voilà, donc là je suis au max. J'espère que c'est bon, hein. Ça a l'air trop bon, sauce pistache et tout. Je vous mettrai la recette du Thermomix. J'ai paniqué, j'ai cru que j'avais cassé. C'est bon? Vraiment? Combien sur 10? Un bon 3. Quoi? Je rigole. Un 3? C'est le meilleur. Combien sur 10? Dis-moi, allez. Mieux que le chef. No kiss, mommy. Un beau 10. No kiss. Un beau 10? No kiss, dad. Ah oui, c'est vrai. Milan, il veut pas qu'on se fasse des bisous. Ok. J'ai pas le droit de faire des bisous à papa. Non. Bon, ça y est. Tout le monde dort. Tout à l'heure, j'ai failli pleurer. Enfin, j'ai pleuré parce que j'ai cru que j'avais cassé le Thermomix. Bon là je suis en direct de mon frigo. En fait ils vendaient pas les pistaches sans la peau et j'ai pas enlevé la peau des pistaches. Je pensais pas. J'étais concentrée sur le poids. Il fallait mettre 40 grammes. Donc ça fait 40 pistaches. J'ai compté. Et genre j'ai pas enlevé le. Je sais pas ce que j'ai pensé en fait. J'ai tellement l'habitude de tout mettre et que ça se fasse.
que j'ai pas pensé enlever les coquilles. Et quand j'appuie, ça fait zzzz. Et en fait, la lame, elle s'était coincée. J'ai dû enlever la lame. Je savais pas comment enlever la lame. J'ai trop galéré. J'ai failli pleurer. J'étais tellement contente de faire ce plat. Et au final, j'ai réussi, mais j'ai mis beaucoup plus longtemps que prévu, genre. Demain, faut que je trouve un plat facile, sans pistache. Sans pistache.